There is a net. We're continuing with Horizons. So Fest and Faison are used to identify, and LS and LS are the masculine and feminine forms of the adjective. So continuing with the story, David et Annette font connaissance, which means to meet, la première semaine de cours. David, salut. Nous sommes. We are dans le même cours de littérature. Non, je suis David Cohen. Annette, bonjour. Moi, je m'appelle Annette Clark. Tu es de ici? Are you from here? Oui, je suis Denise. Et toi, tu es de où? From where? Is de où? Annette, je suis de Los Angeles. Mais j'habite ici maintenant parce que je suis étudiant à la université. Identification. Qui est-ce? Who is it? C'est David, Eugene, ou Annette, ou Yvette. C'est David et Annette, Annette et Yvette, ou David et Jean. Il n'est pas étudiant. C'est la frère de David. Frère's brother. Elles sont de Los Angeles. C'est la sœur jumelle de Yvette. So jumelle means twin for feminine, and jumeau is for masculine. So elle est à Nice pour voir la France, to see the France. Ce sont des jeunes femmes. So jeune means young. Ils sont français. Ils sont dans le même cours de littérature. C'est vrai? Regardez l'illustration de David et de Annette à la page précédente. Okay. Décidez si ce que vous entendez est vrai, which means true, or faux, which means false. So decide if you can understand what is true or false. I guess from the pictures. Example. Vous entendez. Annette est très grand. David ne est pas laid. Uh,
test fall. So this is fall and says lie. This is true. Okay. I believe lied was old. Make sure. Après le cours, vous êtes dans un café et vous pensez reconnaître. To recognize. You are in a cafe. Etes dans un café et vous pensez reconnaître un camarade de classe. So, you think you saw a friend from class. Prepare une conversation avec les questions suivantes. So, suivance probably means following, I'm guessing. Après le cours, vous êtes dans... Okay. So, the points are, tu es étudiante à Central College, non? Tu es en cours de français. The days of your class, time of your class. Le professeur, c'est un homme ou un femme? Le professeur, c'est son nom. Nous sommes dans le même cours, non? Non? Nous means oui. Are in taking the same class, right? No? Nous sommes dans le même cours. Nous sommes dans le même cours. Avec un partenaire. So with a partner, partenaire. Change la conversation entre David et Danette. Comme indiqué, so we're changing the conversation. David and Annette are in the same Spanish class. David et Annette étudiants en de la même cours. So, franc connaisseur means to meet. Nous sommes, we are. Nous sommes de où, from where? La première semaine de cours, the first week of class. Questions orales. Oral questions. Comment allez-vous? Comment vous appelez-vous? Ça c'est écrit comment? Vous êtes américain? Vous habitez à? Vous parlez anglais? Vous parlez français aussi? Vous êtes étudiant? Vous travaillez aussi? Où est-il maintenant?
Test quel jeu a joué. Test quel jeu a joué. Quel jour est-il maintenant? Annette était, David était, David et Annette sont dans les mêmes cours de, so they're from the same class. C'est Annette ou David, c'est un jeune homme, c'est un young man, c'est une jeune femme, c'est étudiant, elle est américaine. Il est français, il est étudiant, il est, elle est belle, il est petit, il est beau aussi. He's also beautiful. So, c'est vrai, Annette est très grande. David n'est pas laid. Annette est vieille. I'm not sure what that is. V-I-E-I-L-L-E. V-I-E-I-L-L-E. David et Annette sont mince. Mince, M-I-N-C-E-S. David n'est pas vieux. Okay. Vieux. Vieux. V-I-E-U-X. David est grand. Annette est grosse. David et Annette sont jeunes. That means they're young. Annette est belle. David n'est pas gros. Gros is large. Annette n'est pas petit. David est beau. C'est un homme. C'est une femme. C'est et il, elle est et les adjectifs. Identifying and describing people. C'est plus a noun. He is, she is, it is, this is. C'est son plus a noun is they are. Sene is pas plus a noun. He isn't, she isn't, it isn't, this isn't. Sene son pas plus a noun, they aren't. To describe people with adjectives, use il est, elle est, ils sont, elles sont. Use il for a group of males or mixed group and elles for a group of all females. So ILS for males and ELLES for females. Il est, that's an adjective, is he is. Elle est, plus an adjective, is she is. Ils sont, plus adjective, is they are, for male. Elles sont, plus adjective, is they are, for female. Il n'est pas plus adjective is he isn't. Elle n'est pas plus adjective is she isn't. Ils ne sont pas is they aren't. And elles ne sont pas is they aren't for females. Plus adjective.
So it says adjectives vary depending on whether you describe a male or female, one person, or more than one. So the masculine is the base form. To change it to feminine, you add an E to the masculine, unless it already ends in an unaccented E. If it ends in an accented E, you add another E to form the feminine. Add S to make adjective plural, unless it already ends in S or X. So masculine for singular, petit or petite. Jeune or jeune. Marie or Marie. Français or Français. Not sure what Marie means. M-A-R-I-E. For feminine, singular is petite and plural petite. Jeune and jeune, jeune. Marie, Marie. Français, Français. So adjectives such as gros or Canadian, double their final consonant before they are, you add an E. With feminine nouns. So masculine is gros, plural is gros, and then for masculine, for feminine, gros with an extra S-E, and plural grosses. Canadian, Canadian, Canadians, for female, Canadian with an extra N and an E. And Canadian with an N-E-S. Adjectives view, jamu, and view are irregular and they follow similar patterns. So for masculine, view and views with an X, making it plural, jamu and jamu with an X at the end, making it plural, view, view is the same since it already has an X. V-I-E-U-X, jumu, J-U-M-E-A-U. And for feminine, belle and bells, you add an S. Jumel, jumels, add an S. Viel, viels, add an S. So, jumel. Jumel is twin, a twin, and Belle is pretty, and I'm not sure what Viel is. So Cess, Cest, Cesson, Il, Elle, Est, Ils, Elles, Sont. To identify and describe people, the difference in use between Cess and Il, Elle, Est, il or il est or elle est is presented in detail later. The Canadian and American, in the feminine, they lose the nasality. Point consonant before the final S is in masculine, plural adjective is still silent. So, grand, grand. For plural, it's still silent, the S. So, it's still going to be grand if it's plural, and even if it has an S. So, when describing someone, you use those forms. So, the feminine, gross, petite. So, most final consonants are silent. You don't hear or say the final consonant of masculine adjective forms unless they end in C, R, F, or L.
When E is added to make the feminine form, the consonant is no longer final and is pronounced. So gran, if you add an E to make feminine, grand, you do pronounce the D. Français, if you make it feminine, François, then it becomes different. The final S of plurals is not pronounced. Ils sont petits. Elles sont petits. So the final S of plurals is not pronounced. So the vowels in il and il, il and els, is like a double E, like the pronunciation of it. Il est grand, elle est grande. Ils sont beaux, elles sont belles. So I guess beau means beautiful, as well as belle is for women. Il est plus adjective, elle est plus adjective. Écoutez la phrase et déterminer si elles décrivent. Décrivent means describe. David a net ou les deux. Both of them. Les deux. D-E-U-X. Il est petit. Il est beau. Elle n'est pas grande. Ils sont étudiants. Il n'est pas américain. He is not American. Elle est américaine. Elle est petite. Cloud est grand. Cloud n'est pas petit. Cloud est français. Cloud n'est pas canadien. Cloud n'est pas gros. Cloud n'est pas petit. Gros American view, land or view. Daniel is Canadian. It's a female form. Daniel is célibataire. Daniel n'est pas petit. Daniel est petit. Daniel is belle. Daniel is gros. Daniel is beau. Daniel n'est pas américain. So, il, elle n'est pas les. L-A-I-D. An L-A-I-D-E for female. Répondez. Comme son ils? T'habites américain ou français? Il est français. Il n'est pas américain. David est grand ou petit? Jean et David sont François ou américain? Annette est laide ou belle? Laide is ugly, I believe. David et Annette sont dans les mêmes cours d'espagnol ou de littérature. Yvette es a Nice por estudiar o por voir sa soeur. That's sister. Soeur. David es a Nice son étudiant o professeur. Atet et Yvette son. Annette et Yvette son américain o François. Annette et Yvette son de New York o de Los Angeles. Écoutez la phrase. C'est la phrase A pour Claude Léon ou la phrase C pour Claude Lacoste. So Claude est grand. Claude
es cloud nest papeti. Cloud nest papeti. Cloud es François. Cloud es François. Cloud nest pa canadien. So the writing is different because for female version of cloud, you add an E at the end. For grande and petite and français, canadien and gross, you add an S-E. Canadien, you add an N-E. The rest you add E's at the end. Cloud n'est pas gross. Cloud n'est pas canadien. Comment sont-ils? Décrivez des visites annexes comme dans l'exemple. David n'est pas mari. Elle est célibataire. Oh, Mary means married. M-A-R-I-E. David n'est pas gros. David n'est pas vieux. David n'est pas laide. Nick n'est pas mari. Anne n'est pas laide. Anne n'est pas vieux. So, vieux and vieille, we're going to find out what it means. I'm not sure. So, non, elle, jeune célèbre, non, elle n'est pas mince. I believe mince is a slim. Elle est grosse. She's not skinny, she's more large. Non, elle n'est pas grosse. Elle est mince. Non, il n'est pas mari. Il est célibataire. Non, il n'est pas vieux. Il est large. Non, elle n'est pas large. Elle est belle. Non, il n'est pas petit. Il est grand. So grand is tall and gross is large, like fat. Non, elle n'est pas vieille. Elle est jeune. So vieille means old, like age-wise. Non, il n'est pas vieux. Il est jeune. So jeune is young and vieux, I'm sorry. Bill and view, I guess they're both old. One vie is for male, female, view is for male. And young is June for both genders. David is petit. Anne is petit. David is June. Means étudiant, vieux, or célibataire. Annette n'est pas canadien. Grande, grosse, mari, vieille, or laide. Jeune, célèbre. Répondez logiquement. Tom Cruise est grand? Non, il n'est pas grand, il est petit. Rocio Daniel est mince. Calista Flockhart est gros. Jude Law est mari. Woody Allen est vieux. Julia Roberts est lad. Dennis Rodman est petit. Jennifer Lopez est vieille. Will Smith est vieux. So let's just pause maybe. Let's see. And I'll continue later. Thank you guys. My Facebook is facebook.com. You'll play YOSALLPLAY.